gauche, une Renault 4 chevaux de 1953. À droite, une Twingo de 2015, deux visions bien distinctes de la voiture populaire française. Si ces deux Renault n'ont rien de commun, elles ont, chacune en son temps, vocation à accompagner notre quotidien. Et dans chaque cas, grâce à leur apparence et à leur volume de vente, elles ont marqué l'inconscient collectif. Déjà, la ceinture de sécurité, c'est un truc qu'on ne retrouvera pas dans la prochaine voiture essayée. Forcément, au début des années 50, la sécurité, c'était pas quelque chose qui nous préoccupait vraiment. Et surtout, il y avait beaucoup moins de voitures qui circulaient au quotidien. Donc la Twingo, on la connaît, c'est une voiture développée par Renault et Mercedes qui en a fait sa Smart. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'agit d'une voiture dont le moteur est placé à l'arrière et avec des roues arrière motrices. C'est tout de même beaucoup mieux en deux-roues que la 4 chevaux, forcément, puisqu'il y a à peu près 60 ans qui séparent les deux voitures. Donc là, on a un petit 3 cylindres turbo, très compact et très moderne, qui consomme peu de carburant, associé à une boîte de vitesse à 5 rapports. Alors forcément, côté performance, c'est beaucoup, beaucoup mieux que la Renault 4 chevaux. Bon, alors là déjà on n'est pas embêté avec les ceintures de sécurité. Faut pas pouvoir démarrer comme ici. C'est-à-dire que le ralenti de ces petites bébêtes, c'est pas une science exacte. Là on a un 4 cylindres de 750 cm3, il développe 21 chevaux, donc le 0 à 100 on saura jamais parce qu'on n'arrive pas à rouler à 100 km/h avec cette voiture. Voilà, et quand on a le vent dans le dos on arrive à rouler jusqu'à 90, mais alors attention parce que là on survole un peu la route. La climatisation, c'est ici que ça se passe, il n'y a qu'à taper là, hop, et un bout de carrosserie sur le capot qui se lève. Et alors petite particularité, avec le moteur en porte-à-faux arrière, on sent absolument rien au niveau de la direction. C'est beaucoup trop léger, à tel point que même à l'époque, les gens qui roulaient quotidiennement en 4 chevaux avaient pris l'habitude de mettre du poids à l'avant, par exemple avec une roue de secours ou des sacs de sable. Et pour vous montrer le phénomène là, on peut faire ça, il se passe rien, la voiture va tout droit. Et il n'y a pas de stop and start. Voilà, la température de l'eau, et lorsque l'huile est trop chaude, on a aussi un petit voyant qui, en théorie, devrait s'allumer. Pas sûr que ça fonctionne. Bon, les essuie-glaces aussi, c'est quelque chose. Déjà, faut trouver le bouton, je sais qu'il est par ici, voilà. Et alors là, ça y est, ils sont à fond. Donc le confort et l'insonorisation, c'est pas ça, mais c'est pas vraiment ce qu'on demande à cette voiture qui est pleine de charme. Sourire les passantes. Bon, elle était pas très jeune, mais c'est un sourire quand même.